Roger et ses humains revient dans tome 3, le tome qui est après le tome 2. Roger et ses humains. Pourquoi il y a un arbre dans le salon? Bah, c'est un sapin de Noël. C'est quoi, Noël? C'est une fête de fin d'année où on prend 10 kilos en un jour et où on fait un stock de cadeaux inutiles qui vont encombrer l'appart pendant des années. Merci, Père Noël. C'est qui, le Père Noël? Père Noël, c'est un gros monsieur barbu qui descend par la cheminée pour livrer des cadeaux aux enfants riches du monde entier en une seule nuit. Mais c'est physiquement impossible. Ah, je viens de comprendre. C'est un personnage fictif créé pour habituer le cerveau des enfants aux mensonges organisés par les parents. Avec tes cadeaux par milliers. Hugo croit au Père Noël? Comment peut-on être aussi stupide? Je sais, mais je peux pas lui dire. Tu verrais ses yeux tout brillants quand il en parle, il est tellement heureux. Je vais le faire, je suis un robot, je n'ai pas d'empathie. Hugo, le Père Noël... Oui. Il... J'ai fait deux découvertes aujourd'hui. Hugo est encore plus déficient que je le pensais, et j'ai de l'empathie. Ah putain, ça me saoule! Tu peines à plier et coller du papier? Oh, ça va, hein. C'est juste ce scotch... Laurence, si je me déguise en lutin, peut-être que le Père Noël il voudra rester boire un verre? Oui, mon amour! Non, mais c'est ce scotch de merde, là! J'ai 700 000 capteurs sensoriels sur les mains. Laisse-moi faire. Qui est l'humain qui a inventé cette merde? Peut-être qu'il faut 700 000 et un capteur. Roger! Ho ho! On se rencontre enfin! Et comme tu as été sage, Hugo, voici ton cadeau! Allez, à l'année prochaine! C'était le Père Noël, hein! J'existe! J'existe! Vous voyez qu'il existe? Oh, c'est le plus beau jour de ma life! J'ai envie de chialer, putain! T'es content, mon amour? Oui! T'es bien. J'ai fait ce que vous m'avez demandé! Vous pouvez libérer ma famille maintenant! Oui. À l'année prochaine. Quoi? Encore? Mais laissez-moi tranquille! Je saute à bite. J'en ai marre!